Donc autant Delamo, donc dans ce, avec ce livre, Le Fils de l'homme, dit qu'il en a fini avec cette problématique et qu'il va pouvoir passer avec, à autre chose, autant on retrouve enfin, le personnage du père avec Enfant salaud de Sœur Chalandon. Et lui, visiblement, il n'en a pas fini. Il en avait parlé déjà. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Légende de nos pères. Profession du père. Voilà. Et puis enfin, Enfant de salon. Alors, moi, pour rien vous cacher, j'avais pas lu les deux autres. J'ai lu Enfant de salaud et je me suis replongée ensuite dans la légende de nos pères et dans Profession de nos pères. C'est hallucinant, les échos de ces deux livres dans celui-ci. Et même des fois, il y a presque des phrases ou des mots du vocabulaire qui sont à peu près identiques. Même si dans la légende de nos pères, le personnage, un des personnages centraux est une femme, voilà. Et alors que là aussi, la mère, il y a un autre personnage féminin qui est la mère, mais qui est vraiment une mère absente, peu présente, on dira. Voilà. Mais c'est assez étonnant. Et quand je dis qu'il n'en a pas fini avec ce sujet-là, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. C'est le 9e roman de Sœur Chalandon. Ils sont tous publiés chez Grasset. D'ailleurs, il remercie son éditrice pour le travail d'accompagnement qu'elle fait avec lui. Sœur Chalandon, je pense que vous le connaissez, mais enfin, juste pour rappel, donc, il est né en 1952, il a été journaliste à Libération. Il est aujourd'hui journaliste au Canard Enchaîné. Il a surtout aussi été grand reporter. Il a eu le prix Albert Londres en 1988 pour son reportage sur le procès de Klaus Barbie. Je dis ça parce que dans ce livre-là, on va retrouver le procès de Klaus Barbie. En fait, il va alterner les chapitres où il va raconter la relation avec son père et les chapitres où il couvre le procès de Klaus Barbie. Enfant de salaud, un jour son grand-père, lors d'un repas le dimanche qu'il partageait avec lui et celle qu'il appelait marraine, donc l'épouse de son grand-père, qui n'était pas sa grand-mère, elle était morte déjà bien auparavant, enfin lors du repas du dimanche, sans doute l'enfant Sœur Chalandon a eu, non, je dis Sœur Chalandon, parce qu'on sait très bien qu'il parle de lui hein, dans ce roman. Enfin, enfant, il aura certainement sans doute eu une phrase de trop, un mot de trop qui aura irrité ce grand-père. Et ce grand-père va lui lâcher au milieu de repas. Ton père, durant la guerre, il était du mauvais côté. Et à partir de là, Sœur Chalandon, une fois adulte, va essayer de comprendre vraiment l'histoire de son père. Non seulement son père était du mauvais côté, mais ce qui va avec, c'est qu'il était un enfant de salaud. C'est fort, hein, comme titre. Donc il va alterner donc, dans ce roman donc l'histoire du procès de Klaus Barbie et sa découverte progressive de la véritable histoire de son père. Enfant, il a été bercé par ce que lui racontait son père le soir sur cette guerre qu'il avait vécue, sur tous ces uniformes qu'il a endossés, tous ces exploits qu'il aurait réalisés, tout ce qui lui a valu cette décoration. Il porte une décoration à son manteau. Voilà, donc il raconte tout ça à son fils. Et adulte, petit à petit, Sœur Chalandon va s'éloigner de ce père comme un enfant qui grandit, comme un adolescent qui va étudier, comme un homme mûr qui va exercer sa profession. Et va effectivement devenir de moins en moins spectateur des histoires que lui raconte son père. Mais au contraire, il va redevenir acteur.
il va découvrir que son père, contrairement à ce qu'il lui racontait, avait été emprisonné en France de décembre 1944 à février 1946. Donc il y a des incohérences. Dans tout ce que lui a raconté son père, il y a des incohérences. Et il va donc, grâce à un ami historien, mettre la main sur le dossier judiciaire de son père. Et en parallèle avec la couverture du procès de Klaus Barbie, on va avancer dans la découverte de l'histoire de son père. C'est toute la question du roman, effectivement, c'est finalement qu'est-ce qu'être un enfant de salaud ? Un jour, grand-père m'a dit que j'étais un enfant de salaud. Oui, je suis un enfant de salaud. Mais pas à cause de tes guerres en désordre, papa, de tes bottes allemandes, de ton orgueil, de cette folie qui t'a accompagné partout. Ce n'est pas ça, un salaud. Ni à cause des rôles que tu as endossés, SS de pacotille, patriote d'occasion, résistant de composition qui a sauvé des Français pour recueillir leurs applaudissements. La saloperie n'a aucun rapport avec la lâcheté ou la bravoure. Non, le salaud, c'est l'homme qui a jeté son fils dans la vie comme dans la boue. Sans trace, sans repère, sans lumière, sans la moindre vérité. Qui a traversé la guerre en refermant chaque porte derrière lui. Qui s'est fourvoyé dans tous les pièges en se croyant plus fort que tous. Les nazis qui l'ont interrogé, les partisans qui l'ont soupçonné, les Américains, les policiers français, les juges professionnels, les jurés populaires, qui les a étourdis de mots, de dates, de faits, en brouillant chaque piste, qui a passé sa guerre, puis sa paix, puis sa vie entière à tricher et à éviter les questions des autres, puis les miennes. Le salaud, c'est le père qui m'a trahi. C'est fort comme roman. On comprend bien que Sœur Chalandon avait entamé ce dialogue avec son père durant ses deux précédents romans. Il dit roman, malgré effectivement le fait que tout ou presque tout soit vrai. Il dit roman parce que dans ce livre-là, il fait intervenir les informations qu'il a obtenues grâce au dossier judiciaire de son père, au moment où il couvre le procès Klaus Barbie. À l'époque, ce n'était pas le cas. Il a obtenu les informations propres à l'histoire de son père à la mort de son père. Il a su uniquement, après 2014, la vraie histoire de son père. Klaus Barbie est mort à Lyon le 25 septembre 1991, incarcéré à la prison Saint-Paul. Il avait 77 ans. Mon père est mort à Lyon le 21 mars 2014, interné à l'hôpital psychiatrique du Vinatier. Il avait 92 ans. Le dossier de la Cour de justice de Lille qui lui était consacré était conservé aux archives départementales du Nord. J'ai pu l'ouvrir le 18 mai 2020, 6 ans après sa disparition. Voilà. Et là, c'est le jeu de l'écrivain. Et là, c'est le jeu de la partie du romancier. C'est de faire rentrer, à un moment donné de l'histoire, des informations qu'il n'avait pas, qu'il ne pouvait pas avoir, mais qu'il aurait aimé avoir. Et qui lui aurait certainement permis, dit-il, d'entamer ce dialogue avec son père. Il n'a jamais pu l'avoir. Et c'est pour ça que Sœur Chalandon dit qu'il n'en a pas terminé avec cette histoire. On est très content de le recevoir. Il vient à Gap le 19 novembre. Voilà, si vous voulez venir, il est invité au Royal le 19 novembre à 18h, je crois. C'est un partenariat avec les libraires du Sud et l'association Littera. Voilà. Et en amont, on
on fait une lecture à voix haute, enfin on fait avec une amie à moi, enfin toutes les deux, on va prêter nos voix au texte de Sœur Chalandon le 12 novembre à la librairie La Loupiote, si vous voulez venir, à 18h. Je lance la dispersion. En tout cas, c'est Sœur Chalandon est devient romancier. Il quitte sa plume de journaliste, il devient romancier, de journaliste, de reporter. Et je trouve qu'à un moment, il dit de façon très belle qu'il a couvert le massacre de Sabra et Shatila durant la guerre du Liban en 82. Ça lui a permis d'ailleurs de tirer le thème du quatrième mur, hein, d'un autre de ses romans. Et en fait, il s'est servi de cette plume de romancier, quittant la plume de journaliste, parce que le journaliste, pour lui, il dit, le journaliste ne peut pas inventer. Le journaliste doit rendre les mots des autres. Alors que le romancier, il a le droit de dire « je ». Et il a le droit de faire passer, d'inventer, d'imaginer, et voire de broder. En tout cas, il peut passer à une autre dimension par rapport à la vérité. Et il s'est attaché à l'être, parce qu'au moment où donc il a couvert ce massacre, enfin, où il est intervenu en tant que reporter lors des massacres de Sabra et Shatila, il était très jeune, hein, il était en larmes devant témoin de ce qu'il voyait, et un grand journaliste du Figaro, qui lui aussi couvrait le même triste événement, lui a dit « Tu te lèves, gamin, et tu changes tes larmes en encre. » Voilà. Et à partir de là, Sœur Chalandon est devenue romancier. Une autre blanche, mais qui est un peu plus blanche. Donc je reviens chez Gallimard, avec Éric Fotorino, Mohican. Là aussi, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de relation entre un père et son fils. C'est le 14e roman d'Éric Fotorino. Vous connaissez aussi Éric Fotorino, je pense, hein, pour ses écrits journalistiques. Donc lui aussi, c'est un journaliste qui devient romancier, sans doute pour d'autres raisons, mais tout aussi légitime. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup le personnage d'Éric Fotorino. Il est aussi créateur du 1. C'est cette revue assez novatrice, tant par la forme que par les sujets. Il a été journaliste au Monde, il l'a dirigé pendant 5 ans. Il est toujours journaliste au Monde ? Question, je ne sais plus, il faudra vérifier. Enfin, en tout cas, il a dirigé le Monde pendant 5 ans. Il s'occupait aussi du monde agricole, ça a son importance. Et au niveau des revues, donc, il est fondateur donc, du magazine Le 1. Il participe aux revues Zadig, hein, ça c'est des revues que vous avez peut-être aussi dans vos médiathèques, et America pendant 4 ans, hein, puisque America s'est arrêté quand Trump est parti. Il s'est occupé donc du monde agricole, et dans Mohican, on sent bien toute cette connaissance qu'a Éric Fotorino de ce milieu-là. C'est certainement, on sent que tout est vrai, même si c'est un roman, que tout est vrai. Ça se passe dans le Jura. C'est une exploitation agricole que dirige depuis sa vie d'homme, à un personnage qui s'appelle Brun d'Antôme. C'est sa famille dirige cette exploitation depuis plusieurs générations. Et Brun, pour faire vivre et survivre cette exploitation, a dû pratiquer l'agriculture intensive avec l'aide de, comme beaucoup d'agriculteurs de l'époque, beaucoup de produits chimiques. Aujourd'hui, il en paye le prix. Il est malade. Il sait qu'il va mourir. Et il va décider de transmettre à son fils Brun un héritage respectable. Et pour ça, il va aller au-delà de la terre. C'est qu'il va vendre une partie de ses terres agricoles pour y installer des éoliennes. Et il se dit qu'en faisant ce geste, qui est aussi un geste écologiste, il va pouvoir renouer avec Brun. Parce que Brun, lui, il a décidé de vivre effectivement sur leur terre,
mais dans un petit coin, dans une petite partie où ils travaillent la terre dans une culture raisonnée et bio. Donc c'est évident que ces deux hommes-là vont s'affronter, enfin se sont affrontés pendant longtemps sur leur divergence de façon de travailler. Et là, Brun se dit, je vais peut-être pouvoir enfin renouer avec mon fils, parce que je vais partager le même sujet d'intérêt que lui. Mais finalement, est-ce que ces éoliennes vont être compatibles avec l'élevage des bêtes et le respect de la terre? Ça va être une des grandes questions qui va être développée dans ce roman. C'est en plus de ça, le fait de que l'écologie soit un terrain de communication avec son fils Mo. Brun, enfin la mère et donc la femme de Brun est morte elle aussi suite de ces produits, de ces pesticides de la terre, hein, mis dans la terre. Mais il continue à dialoguer avec elle. Il y a des chapitres très beaux où la voix de sa femme morte continue à l'accompagner. Et elle a une phrase très belle où elle lui dit « Il faut que tu fasses de ton fils un frère. » Un frère, donc effectivement, on comprend bien que ce n'est pas dans le sens fraternel, mais c'est dans le sens partage, communion, la fraternité. Il faut que tu fasses de ton fils un frère. Et donc effectivement, Brun va tenter dans les derniers moments de sa vie de renouer avec son fils. Il va aussi d'ailleurs lui raconter son histoire, parce que Brun, qui faisait partie de ces paysans des années 80, des 30 Glorieuses, sont allés chercher la connaissance parce qu'ils en avaient marre de passer pour des cutéreux, le paysan de base. Lui, il est allé chercher, il a fait cette démarche, aller chercher la connaissance. Il a voyagé, il est allé aux États-Unis, enfin, voir un petit peu comment ça se passait dans ces exploitations agricoles. Enfin, essayer un petit peu de sortir de l'image un peu schématique du paysan bas de front et bas de plafond. Mais il ne va pas réussir tout à fait sa mission, puisque c'est un métier, ce paysan, c'est un métier d'asservissement, hein, d'asservissement à la terre, c'est un métier dans lequel on n'a pas de liberté, parce qu'il faut être là tout le temps. Et c'est vrai que son fils Mo, lui, a envie de vivre ce métier de paysan de façon différente. Éric Fotorino explique... qu'il a commencé l'écriture de ce livre en 2015. Donc vous voyez, c'est un projet qu'il a construit depuis assez longtemps, à la suite d'un reportage qu'il a fait avec Raymond Depardon, quand ils ont couvert les paysans de France. Mmh. Et le déclic de la réalisation de l'écriture finale, ça lui a été donné lorsqu'il a à nouveau suivi le Tour de France, parce que c'est un fan de cycliste, et Fotorino. Et en redécouvrant ces paysages de la campagne française, le livre Mohican a percé. Il lui dit, maintenant il faut que j'aille au bout de cette histoire, il faut que je raconte cette histoire. Voilà. Donc c'est une très très belle histoire de transmission, c'est une histoire de racines, donc c'est une histoire d'amour entre un père et son fils. C'est sûr que là le personnage du père est beaucoup plus sympathique que dans les deux précédents. Il y a des personnages féminins aussi qui sont absolument remarquables, donc là la mère... Et puis les personnes, les femmes que va rencontrer Mo. Et puis il y a des animaux aussi qui sont à la fois amusants. Il y a une truie qui s'appelle Rosalie. Et puis il y a qui sont des animaux qui sont bouleversants. Il y a une scène très touchante avec le cheval Perceval. Voilà. Donc c'est un roman imaginaire, mais appuyé vraiment sur la connaissance qu'a Éric Fotorino du terrain. Voilà, Mohican. Certaines l'ont lu,
Non. Donc c'est presque, on pourrait dire que c'est presque un roman vrai, hein, de par la proximité avec la réalité et les connaissances qu'a Eric Ottolino. Et là, je vais vous parler d'un autre roman qui, lui, est vraiment un roman vrai. On retrouve encore, voilà, le père, décidément. Et c'est un tout petit texte chez Gallimard, qui est traduit de l'anglais, de, alors attention, Chimamanda Ngozi Adichie, qui s'appelle Note sur le chagrin. Note au pluriel sur le chagrin. Alors, c'est des petits textes comme ça, très courts, mais qui résonnent et puis qui accompagnent longtemps. On les a souvent derrière soi, longtemps, dans sa tête, dans sa mémoire. Donc là aussi, il est question du père. Donc Chimamanda Ngozi Adichie, elle vit aux États-Unis. Et le 10 juin 2020, elle apprend que son père, au Nigeria, vient de mourir. Il était âgé de 88 ans, il était professeur émérite de mathématiques à l'université du Nigeria, seulement en 2020. Souvenez-vous, c'était pas loin. Vous ne pouvez pas se déplacer. Donc elle n'a pas pu organiser comme elle le souhaitait les obsèques de son père. Et elle va vivre des moments d'une profonde tristesse dans laquelle elle va être désemparée, mais presque, comment est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un de demeurer dans son chagrin, le mot lâché. Elle va en sortir de cet épisode-là dramatique, ce petit moment qui s'appelle Note sur le chagrin. Elle adorait son père, donc sa première réaction, c'est le déni. Face à cet enfer qu'est le chagrin, je suis dépourvue d'expérience et de formation, écrit Adichie. Donc elle va raconter ses larmes, sa colère, ce déni. Donc au début, ne pouvant pas en parler, elle va se remettre à ce travail d'écriture pour que les mots devenant refuge, elle va pouvoir sortir d'elle toute cette tristesse. C'est une... Si on pouvait... Enfin, moi, je me dis, oh là là, si on pouvait aimer son père comme elle l'aime, c'est... Si tous les pères pouvaient être aimés de leur fille comme elle l'aime son père, ah, c'est... Ce serait... Peut-être qu'il y aurait des choses qui pourraient être évitées. Je pense à Sœur Chalandon, par exemple, ou des lameaux, voilà. C'est un très très beau texte. Voilà. Elle l'appelle son dadounet originel. C'est joli, hein.